Vous êtes prêts? On y va pour Jean-Marie et Marie-Jeanne? Non, mais il y en a que deux qui sont prêts là. Vous êtes prêts pour Jean-Marie et Marie-Jeanne? C'est bon, on peut y aller. Pas la peine de gueuler. Jean-Marie et Marie-Jeanne. Marie-Jeanne n'était pas heureux en ménage. Ils étaient mari et femme depuis leur plus jeune âge. Marie-Jeanne, elle était cool, mais Jean-Marie était aigri. Et quand ils se mettaient en boue, on entendait les cris de la pauvre Marie-Jeanne qui ne comprenait pas pourquoi dans ce mélodrame elle n'avait pas le choix de pouvoir renverser les rôles afin de s'impliquer dans un film un peu plus drôle où elle serait aimée. Il y a des gens marrants. Elle a très vite déchanté quand elle a vu son vrai visage. Il ne pensait qu'à dominer ses amis, son entourage. Il y a des gens marrants, mais pas Jean-Marie. Oh non, il y a des gentils comme Marie-Jeanne. Attention, quand il se mettait en colère, il valait mieux ne pas broncher, faisant rouler son œil de verre. Il ne pouvait que l'effrayer. Elle qui, du fond de sa cuisine, se disait qu'il pourrait crever. Et dans ses pensées assassines, se mettait à rêver. Il y a des gens marrants, mais pas Jean-Marie. Oh non, il y a des gentilhommes comme Marie-Jeanne. Recevoir ses caresses pour passer du bon temps. Et l'excitation de la peur d'être surpris par Jean-Marie fait battre plus fort dans le cœur. C'est l'amour interdit. Il y a des gens marrants, on n'entend rien là. Mais pas Jean-Marie, oh non. Il y a des gens qui l'aiment. Waouh. Comme Marie-Jeanne. À vous maintenant. Il y a des gens marrants. Bien, mais peut mieux faire.